Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo tutoriel qui sera très rapide. En effet, je vous montre ici comment vous inscrire à la lettre d'info de la plateforme participation-habitant.fr. Vous pouvez retrouver dans la vidéo précédente la procédure pour créer un compte, ce qui vous permettra de profiter de tous les outils pour gérer facilement votre instance de participation. Vous pouvez cliquer sur ce lien ou dans celui que je vous laisse dans la description. L'infolettre est un récapitulatif des informations de la plateforme que vous recevrez ponctuellement sur votre adresse mail. Dans la plupart des cas, il s'agira d'un résumé des articles qui auront été publiés sur la plateforme entre deux infolettres. Comme j'ai déjà pu vous le dire dans la vidéo de présentation du site, j'ai aussi imaginé qu'il pourrait être un lieu d'échange, de discussion entre professionnels en faisant des focus sur des pratiques ou des informations utiles à tous. C'est donc ce genre d'informations que vous pourrez recevoir en vous abonnant à l'infolettre. Comment faire ? Facile, vous pouvez faire la manip depuis plusieurs endroits du site. D'abord sur la page d'accueil de la plateforme, descendez jusqu'à la section « Les dernières nouvelles » et entrez votre adresse mail dans le champ réservé à cet effet, juste ici. Lorsque c'est fait, validez. Vous êtes redirigé sur une page de confirmation, validez de nouveau. Si tout se passe bien, vous devriez voir arriver un message sur votre boîte mail. Cliquez sur le lien qui se trouve à l'intérieur pour confirmer que vous êtes bien à l'origine de la demande d'inscription, parce que quelqu'un est peut-être en train de vous faire une blague en vous inscrivant à toutes les infolettres qu'il trouve sur internet. Quand vous avez cliqué sur ce lien, eh bien c'est tout, vous êtes inscrit. La manipulation est la même depuis le pied de page du site, tout en bas. Seule différence, le formulaire est disponible partout sur la plateforme, et pas seulement en page d'accueil. Sinon, on procédait de la même façon. Enfin, si vous êtes connecté à votre compte, vous pouvez gérer l'état de votre abonnement depuis la page d'édition de vos informations. Je vous invite à regarder le tuto qui traite de ce sujet en cliquant sur ce lien. À partir de ce formulaire, cliquez sur le bouton pour vous abonner ou vous désabonner facilement. Voilà, comme je vous l'avais dit, vidéo très courte aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous rendre sur le formulaire de contact pour toute question complémentaire ou si vous rencontrez des difficultés. Je vous mets tous les liens utiles dans la description. J'attends vos impressions et commentaires sur le projet, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto dans lequel nous allons rentrer dans le vif du sujet, avec la gestion des habitants et des membres de votre instance de participation. À bientôt !